l'œuvre d'art est produite pour aller directement dans un musée. Alors qu'en réalité, si on regarde l'histoire de l'art, les œuvres d'art ont atterri dans des musées parce qu'elles étaient dignes d'y figurer, mais au départ étaient conçues pour être installées dans d'autres lieux. Donc voilà ce que j'ai véritablement voulu faire. C'est accueillir des œuvres d'art véritablement conçues, parce que pour aller dans un lieu déterminé, c'est le cas d'Alain Bélanger qui a réalisé ces pastels extraordinaires qui sont exposés dans la salle, qui n'a pas voulu intervenir tant qu'il n'était pas venu sur les lieux pour voir quelle était la qualité de la lumière, sur quel panneau on allait les installer. Et donc ce sont des œuvres d'art qui ont été créées véritablement pour être installées dans un lieu déterminé. Je crois beaucoup au principe qu'une œuvre d'art existe véritablement quand elle est représentée dans le lieu pour lequel elle a été conçue. Ce qui est tout à fait remarquable, c'est qu'il a réussi, en inventant et en s'appropriant des techniques, à recréer son écriture d'artiste. Et nul ne peut se méprendre quand on voit ses œuvres sur inox. Quelqu'un qui connaît le travail de Patrick Chappert reconnaît l'œuvre de Patrick Chappert. Le bien-être dans le travail, il est évident qu'il se ressent, il est ressenti par la clientèle lorsqu'il y a des échanges entre les acteurs et le public, ça c'est une chose, mais également dans ce qui est produit, parce que il est évident que quelque chose qui est produit dans des bonnes conditions, avec envie, eh bien, aura probablement une autre définition, une autre vie, une autre qualité tout simplement. L'émotion de voir une œuvre d'art religieuse dans une église est un vrai sentiment provoqué par une adéquation entre un lieu et une œuvre artistique que perçoit un public ou un fidèle, un croyant. Ceci étant, on ne retrouve pas ça sur du bâtiment pur. Donc je crois qu'on se coupe de ces impressions et de cette sensibilité qui peut se dégager d'une expression artistique. J'ai souhaité que l'artiste reprenne toute sa place dans des lieux publics ou des lieux professionnels.